Aujourd'hui, je vous présente Pocket Collector, un effet de Jordan Victoria. Alors, il se fait avec un jeu de 52 cartes. On demande à 3 spectateurs de choisir chacun une carte. Pour le tour, nous allons prendre le 6 de cœur, le 2 de carreau, et enfin, je ne sais pas, le 9 de trèfle. Les cartes sont données à signer aux spectateurs. Pendant qu'ils signent les cartes, vous sortez quelques cartes. Et pour l'effet, je vais utiliser les 4 As. Une fois que les cartes sont signées, vous les insérez face en bas entre les As. Comme ceci. Nettement. Voilà. Et maintenant, on remonte au spectateur que les cartes n'ont pas disparu, bien entendu. Donc nous avons ici l'As de pique, d'accord? Une carte signée, le 3 de cœur, une carte signée, l'As de trèfle et une carte signée. Mais pour réaliser cet effet, j'aurai besoin d'un stylo. Alors, le stylo, il est là. Le stylo magique. Alors, avec le stylo magique, alors je vous montre bien que les cartes sont bien présentes entre les as, ça c'est super important. Et bien, le stylo magique va me permettre de faire un effet très très magique. Regardez, simplement en passant le stylo sur les as, instantanément, si j'étale de nouveau, nous avons plus que 2 cartes rouges. La première carte du spectateur a disparu. Pour le second spectateur, je vais refaire le même effet. Juste une petite passe sur les as. Et instantanément, il ne reste plus qu'une carte. La deuxième carte est passée. Pour la troisième carte, pareil, idem, même mouvement. Et la magie, nous n'avons plus que 4 as. Les 4 des spectateurs ont voyagé, mais pas n'importe où. Ils ont simplement voyagé dans l'espace où je suis. Car si maintenant je vais dans les poches arrière de mon pantalon, ici j'ai j'ai une carte, le 9 de trèfle, ça serait pas le premier ou le deuxième spectateur. Ici, le 2 de carreau. Et enfin, ici aussi, le 6 de cœur. Nos 3 cartes, les 3 cartes choisies des spectateurs. C'était donc Pocket Collector de Jordan Victoria. Merci et à bientôt les amis.